Qui compte. Vous connaissez le principe, bien sûr, de notre nouvelle émission. Toutes les personnes que nous avons invitées ce soir ne savent pas pourquoi elles sont invitées. Oui, elles ont seulement, toutes ces personnes, répondu à notre invitation. Une invitation à venir ici, dans l'émission, pour s'entendre révéler une vérité importante. Mais qui leur a demandé de venir et de quelle vérité s'agit-il? Eh bien, ces personnes, nos invités, ne le découvriront qu'en décidant d'ouvrir ce rideau. Alors, comment vont-elles réagir? Vont-elles accepter ou bien refuser cette vérité? C'est ce que nous allons voir durant toute la soirée, avec vous, bien sûr. Avec vous et puis avec Elsa. Elsa qui se trouve, vous connaissez le principe de l'émission, dans une loge totalement hermétique. On n'entend pas ce qui se passe sur le plateau, on ne voit pas non plus les personnes qui s'y trouvent. Elsa se trouve en ce moment même avec notre première invitée. Et on la retrouve. Elsa. Oui, absolument, tout va bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, effectivement, Elsa. Je suis aux côtés de Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Ça va? Ça va. La gorge est un petit peu serrée. Un peu beaucoup, oui. L'estomac, ça fait mal? Il y a une boule. Il y a une petite boule. Mm. Vous ne savez absolument pas pourquoi vous êtes ici? Non, du tout. Vous, dans la vie, vous êtes responsable d'un magasin? Du tout, en fait. Je suis juste responsable de caisse, pardon. Je suis agent de maîtrise dans une grande société de prêt-à-porter internationale. Vos amis disent de vous que vous êtes une jeune fille honnête, sincère, relativement franche. Oui. Vous êtes d'accord avec le portrait? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mm. Vous ne savez absolument pas pourquoi vous êtes ici ce soir? Non. J'aimerais bien savoir. Vous aimeriez bien savoir? Oui. Bon, en tout cas, nous, on ne peut pas vous dire grand-chose. Vous rêviez de passer à la télé? Oui, tout à fait. Donc déjà, c'est un rêve qui se réalise ce soir. Ce soir, votre caractère va être mis à rude épreuve. Vous ne savez rien de ce qui se trame actuellement sur le plateau et pourtant, la vérité est d'ores et déjà en train de se mettre en place pour vous. On va rester encore quelques minutes ensemble dans cette loge et bientôt, vous saurez enfin pourquoi on vous invitait ce soir. Alors, qui a une vérité à révéler à Cécile ce soir et de quelle vérité s'agit-il? Nous allons savoir tout de suite en accueillant Jean-Vincent. Bonsoir Vincent. Merci. Bonsoir Vincent. Merci. Bonsoir Jean-Vincent. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Qui êtes-vous par rapport à Cécile, la jeune fille que l'on vient de voir aux côtés d'Elsa? J'étais son petit copain auparavant. Voilà, quoi. Vous restez combien de temps ensemble? Un an et trois mois exactement. Et c'est un fini. An et trois mois, le 19, là. Et c'est fini depuis combien de temps? Trois semaines. Trois semaines. Ouais. Et comment est-ce que vous avez connu Cécile? En discothèque. J'étais occupé, justement. J'étais avec une demoiselle en boîte. Et elle est arrivée derrière moi et elle m'a mis la main aux fesses. Ah ouais? Ouais, comme ça. Et je me suis retourné, j'ai fait « Oula, ça, c'est peut-être pas bon quand même, tu vois. » La jeune fille avec qui j'étais, elle m'a regardé, elle m'a fait « C'est qui cette fille ?» Je fais « Bah, je sais pas. » Elle fait « Attends, comment ça? Tu sais pas? Elle te met la main aux fesses? Tu sais pas? » Je fais « Je t'assure que je sais pas, je la connais pas. » Donc, j'ai essayé d'entamer la conversation avec la demoiselle avec qui j'étais et j'ai lâché un peu l'affaire. Et une semaine après, je l'ai rencontrée dans la même boîte et j'ai craqué, je suis resté avec elle et depuis ce temps-là, voilà quoi. Comment s'est passée votre relation? C'était une relation longue tout de même? Plus d'un an. Plus d'un an, ouais. Ça... Je suis parti en vacances avec elle, toute sa famille me connaît, elle m'adore. Et voilà quoi. Maintenant, c'est dur quoi, quand même. Vous avez dit, pour préparer cette émission, c'est ma première grande et vraie histoire d'amour. Ouais, c'est vrai, c'est ma première et grande première histoire d'amour. Et je veux pas qu'il y en ait d'autres parce que c'est avec elle que je veux rester et c'est avec elle que je veux faire ma vie, quoi. C'est la première et vous voudriez que ce soit la seule? La seule, oui. Quel est son caractère? Qu'est-ce qui, en elle, vous a à ce point-là séduit? Déjà d'une, bon, sa beauté. Mais bon, je vois pas tout de suite la beauté. Bon, après, je discute avec elle, je vois quand même ce qu'elle a à l'intérieur de la tête, quoi. Donc sa beauté, on va dire son comportement, son honnêteté. Ouais, son honnêteté, sa franchise, sa façon d'être envers les gens, elle est douce, toujours le sourire, toujours souriante, agréable, ouais, très agréable.
Et là, vous nous racontez une sorte de conte de fées avec de beaux personnages. Mmh. Alors, pourquoi cette rupture et comment elle s'est passée? Malheureusement, comme je suis un garçon un peu jaloux, tout ça, à chaque fois qu'on sortait en boîte, il y avait toujours quelques petites embrouilles parce qu'il y avait des copains elle qui venaient lui dire bonjour. Et moi, j'arrivais pas à l'admettre, quoi. Trop possessif. Beaucoup trop possessif. Elle me l'avait déjà dit une fois. Elle m'avait déjà dit « Vaut mieux que t'arrêtes parce que sinon, ça va mal finir tous les deux. » J'ai fait un petit effort, j'ai arrêté. Mais c'est revenu, c'était ma nature, c'est revenu au galop. Et puis, quoi. Elle m'a dit « Maintenant, je vois que t'as pas compris, vaut mieux que ça s'arrête là, quoi. » Et là, c'était dur. C'est maintenant que je vois que j'aurais dû faire l'effort, quoi. Pas l'effort, c'est de la comprendre. Et puis, enfin, c'est normal, quoi. Moi, je dis « C'est normal, elle a des copains, elle a des amis, elle a le droit de les voir. » Et moi, voilà, je l'ai pas compris. Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui, mais c'est pas ce que vous disiez à l'époque. Hein. C'est pas ce que je disais à l'époque. Vous faisiez des scènes assez violentes? Bah, il m'est arrivé de me bagarrer déjà plusieurs fois en boîte, hein, pour ça. Ça, les filles, elles n'aiment pas? Pas du tout, mais... ça passe pas du tout. Mais depuis, effectivement, qu'elle a rompu, tout le monde chez vous, à Solaire, se dit que vous n'êtes plus le même. Regardez. Jean-Vincent a 21 ans et si ses yeux sont aujourd'hui remplis de tristesse, c'est pour la belle Cécile. Les secondes qui passent, je pense à elle, quoi. Elle est gravée dans ma tête et je vois qu'elle, ça ira pas mieux tant qu'elle reviendra pas, quoi. J'ai cru apercevoir quelqu'un passer devant la fenêtre. J'aurais pas me faire repérer, donc ça me fait du mal en restant là, peut-être, mais bon. J'ai vraiment besoin d'aller en bas de chez elle, tellement je suis amoureux de cette fille-là, tellement qu'il y a qu'elle dans ma vie. Depuis leur rupture, Jean-Vincent a le cœur brisé et c'est comme une obsession. Tout lui rappelle son amour perdu. Quand je vois des couples qui se baladent main dans la main, qui se font des petits bisous, tout ça, je regarde, je dis, il a de la chance quand même, lui, il se balade avec sa copine, moi je suis tout seul là. Avant que je connaisse Cécile, je savais pas qu'on pouvait aimer autant et souffrir autant, malheureusement. Tous les jours, il vient chercher réconfort auprès de sa meilleure amie, sa maman. Mais elle ne sait pas toujours trouver les mots pour le consoler, car depuis que Cécile est partie, la gaieté s'en est allée. Il n'y a que lui qui peut essayer de trouver une réponse. C'est le désarroi qu'il avait, mais moi, j'en ai pas de réponse. Et là, c'est très difficile, c'est vrai, c'est très dur. On ne trouve pas les mots. La seule phrase, c'est « mais t'inquiète pas, c'est une petite dispute de rien, elle reviendra ». La phrase, l'éternelle phrase, la seule phrase qu'il voulait entendre de toute façon. Avec le recul, Jean-Vincent prend conscience de ses erreurs passées, celles-là même qui lui ont fait perdre son premier grand amour. J'étais trop possessif, j'ai pas voulu changer mon comportement pour ça. Maintenant, je le regrette, quoi. Je suis en train de couler tout seul, bêtement. Là. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je Dès que ça va pas, c'est plus fort que moi, je suis obligé d'ouvrir l'armoire et puis prendre ses vêtements, sentir son odeur, parce qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Elle a rien laissé d'autre ici qu'à part son odeur, quoi, c'est tout. Vous croyez qu'un premier grand amour peut durer toute une vie? Tout dépend des personnalités, je pense. Je connais des amis à moi qui maintenant sont mariés et tout, ils sont connus depuis tout petit et puis maintenant ils sont encore ensemble. Si, ouais, je pense que c'est vrai. Bien sûr que ça peut se faire. Après la rupture, est-ce que vous lui avez passé un coup de fil? Des coups de fil? Des coups de fil, oui. Bien sûr que je l'ai appelé, on va dire, dans les 3 semaines. Là, j'ai peut-être dû l'appeler, on va dire, peut-être 3-4 fois pour avoir de ses nouvelles, pour essayer de la citer à revenir avec moi et tout. Il n'y avait rien à faire et je voyais que ça allait pas, donc il fallait mieux pas que j'insiste. Vous êtes prêt à quoi pour la reconquérir, Cécile? À changer complètement, changer mon comportement, arrêter d'être possessif, la rendre heureuse, tout. Quoi. Me dire que c'est normal qu'elle va voir ses amis, qu'elle leur dit bonjour, qu'elle sorte avec sa copine, que j'arrête d'être avec mes interrogations, lui dire t'as été où, t'as fait quoi, t'es rentré à quelle heure. Ça va 5 minutes, ça va une fois, 2 fois et 3 fois, ça... Il y en a marre, quoi. Dans quelques instants, elle va être là, à côté, vous allez lui demander de vous pardonner, vous allez... lui demander de vous écouter déjà. Quelle peut être, selon vous, sa réaction? Si je savais, malheureusement, je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Je pense qu'elle va être touchée déjà d'une. Je pense qu'elle va être émue, elle va être touchée. Mais après, je ne peux pas savoir comment elle va réagir. Moi, ce que je voudrais, moi, c'est qu'elle me dise oui, qu'elle revienne avec moi, ça c'est clair. Vous êtes préparé psychologiquement, on vous en a parlé en préparant cette émission, à un éventuel refus, car pour l'instant, elle vous a dit non. Bien sûr, ouais. Déjà, ouais. C'est clair, on m'a dit avant l'émission,
prépare-toi à peut-être qu'il y ait une réponse négative. Donc, te mets pas dans la tête qu'elle va te dire oui et tout ça. J'ai dit, bah, Nanir, de sa part, j'ai eu que du non. Donc, ce soir, j'attends qu'un oui. Mais si j'en ai pas, ben, je serai avec. Elle aura perdu. Elle sait pas ce qu'elle perd, quoi, c'est tout. Voilà. Alors, quelle va être sa réaction? On va le savoir dans quelques instants. Vous allez le savoir dans quelques instants. On va vous demander de rester tout à fait silencieux et immobile ici, Jean-Vincent, puisque nous allons la recevoir maintenant de l'autre côté de ce rideau qui va se refermer. Si la régie peut nous remettre en contact avec Elsa. Oui, Elsa, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Je suis actuellement avec Cécile. Cécile, dernière ligne droite pour vous. Oui. Ça y est, la vérité est juste là. Elle est au bout du couloir. Je vous remets entre les mains de Philippe qui va vous guider auprès de Pascal et Laurent sur le plateau. Bonne chance. Merci. Cécile. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Asseyez-vous. Bonjour Cécile. Merci. Cécile, si vous êtes là ce soir, c'est que derrière ce rideau, quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes là, c'est ma question rituelle, parce que quelqu'un a un reproche, une demande ou un remerciement à vous faire, Cécile? Sincèrement, je ne sais pas. J'ai vous peur. Vous avez peur? Oui, beaucoup, oui. On vous a fait venir sous un prétexte dont on a le secret. Oui. Mmh. J'imagine qu'on vous a raconté des choses. Vous oui. vous êtes quand même posé des questions. Oui, énormément, oui. Et alors? J'ai peut-être une petite idée, en fait. Mais alors, je ne suis pas sûre. Alors, on a essayé de vous donner quelques indices et puis surtout de prévoir un petit peu votre réaction. Nous sommes allés demander à plusieurs personnes comment elles réagiraient à votre place. Regardez ce premier témoignage. Cécile, honnêtement, je trouve ça très beau, mais heureusement que je suis pas à ta place parce que je sais vraiment pas comment réagir à ça. Ah, ça n'aide pas beaucoup, ça. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de très beau, Cécile? De très beau? Je sais pas, vous me faites... vous me faites peur, achevez-moi, là, c'est pas possible. On vous fait peur, nous, tous les deux? Non, pas vous, non, mais... C'est un gros poids. Un deuxième avis, tout de suite, Cécile, regardez. Bon bah Cécile, je sais que c'est pas évident, ne t'inquiète pas et puis quoi qu'il arrive, suis tes intuitions. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, nous a-t-on dit. Est-ce que vous avez l'habitude de suivre, j'allais dire aveuglément, vos intuitions? Oui. Toujours? Toujours. Et vous faites confiance à ces intuitions? Il faut. Quand vous prenez des décisions, vous êtes toujours sûr de les avoir bien prises? Pas toujours, non. Mais bon... Alors Cécile, si vous l'acceptez dans quelques instants, vous allez être confrontée à cette vérité. Tout de suite, un troisième conseil, si vous le voulez bien. Tu sais Cécile, jusqu'à la dernière seconde, tout peut arriver. Et oui, tout peut arriver Cécile, il n'y a que la vérité qui compte. Est-ce que vous redoutez le pire ou est-ce que vous redoutez le meilleur? Le pire. Le pire. Le pire? Oui. Le pire? Ou le meilleur, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous voulez découvrir qui est derrière le rideau? Oui. Oui. Eh? Oui. Alors, regardez cet écran. On va demander à la régie de nous faire apparaître l'image de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau et qui a une vérité à dire ce soir à Cécile. Qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, Poutou, j'étais venu dire un petit mot. Je voulais te dire que je regrette mon attitude, que c'est dur pour moi, c'est dur. Enfin, je pense que c'est dur aussi pour toi. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent changer, tu vois, mon comportement, tout ça. Et je pense que sans aucun doute, je pense que ça a été dur. Enfin, je comprends que ça a été dur à vivre pour toi. Et que voilà, quoi, je voudrais qu'on vive l'un à côté de l'autre. Je voudrais que tu me donnes ton amour et je pense que t'es la femme de ma vie, quoi. Mais t'es fou. Je suis fou de toi. Faut que tu le saches. Et tu le sais. Oui, je sais. Voilà. Tu m'emmènes à la télé pour... Mais t'es fou. C'est un beau cadeau quand même, non? Oui, tu savais très bien que c'est le rêve de ma vie. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait.
Je crois, Jean-Vincent, que vous avez quelque chose à proposer à Cécile. Cécile, ce que je veux en fin de compte, c'est te reconquérir, quoi. Je voudrais que tu reviennes avec moi. Et je te promets que j'arrêterai d'être possessif, que j'arrêterai d'être jaloux, je te jure, je ferai l'effort, quoi. C'est clair et net. Je peux te le jurer. On a déjà essayé plein de fois, t'as pas réussi. Ouais, mais là, j'ai vu que c'était trop. J'ai vu que c'était trop important et c'est clair que je vais changer, quoi. Et je veux te le prouver. Ouais, mais moi, je te demande pas de changer entièrement comme ça. J'ai pas dit que j'allais changer entièrement, j'ai dit que j'allais arrêter d'être possessif et arrêter de te prendre la tête, arrêter d'être. Avec mes questions, t'as été où, tout ça, t'as fait quoi. Arrêter d'être chiant. Ouais, avec qui, c'est qui t'a appelé et tout ça. Bah, je vais arrêter tout ça. Fais-moi confiance, je t'assure que je l'arrêterai de le faire. Au début, je sais que ça va être dur, tu vois. Mais après, je pense que c'est le moment. Après, dans la vie, ça va aller, quoi. C'est au début et après, ça va aller. Fais-moi confiance. Cécile, je vais vous demander de vous lever et de vous placer devant ce bouton qui permet l'ouverture du rideau. Là, là ouais, devant, en regardant l'écran. Je l'ouvre? Non, attendez. Ah. Vous avez tout le temps de réfléchir. Sachez que si vous l'ouvrez, quelque part, vous acceptez la proposition de Jean-Vincent. Oui. Jean-Vincent vous demande de reprendre cette histoire d'amour qui, pour lui, est une histoire unique. C'est déjà... C'est dur. J'ai énormément réfléchi et je peux pas. Parce qu'on a déjà essayé plein de fois, ça a pas marché. Fais-moi confiance. Mais je peux pas. Ben si, tu peux me faire confiance. Non, c'est pas... Tu sais très bien, je sais que tu tiens à moi. J'ai beaucoup tenu à toi aussi. Mais je sais pas, c'est ta première histoire d'amour et t'en auras plein d'autres encore. Je veux pas en avoir d'autres, c'est avec toi que je vais. Mais il faut, t'es obligé, t'as 21 ans, t'en auras plein d'autres. C'est avec toi que je vais être. Parce que je sais que ça peut marcher tous les deux, je sais que ça n'a pas marché à cause de mon comportement. Oui, mais moi je peux plus. Et tu peux plus, essaye. Je peux pas me forcer. C'est pas de forcer, je te demande. Je peux pas me forcer à revivre ça avec toi, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui est mort. Mais ça revient vite. Mais non, ça peut... Tu comprends pas. Mais si, je comprends. Non, tu comprends pas. Mais si, je comprends. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu essaies, que tu me fasses confiance. Et tu verras si ça revient, ou peut-être dans l'avenir, tu verras si ça revient ou si ça revient pas. Mais laisse-moi cette chance. Oui, mais les sentiments, ils reviennent pas comme ça. Je peux pas me forcer à avoir envie d'être avec toi. Bah si, tu me dis, laisse-moi encore une chance. Mais moi, je veux plus. On a essayé et ça n'a pas marché, ça malheureusement. Ça ne peut pas se terminer comme ça pour Je sais, tu es quelqu'un de très, très bien. C'est pas ça le problème. C'est bah pas alors ça. Reviens avec moi. Je ne peux pas. Mais si tu peux. Non, je ne peux pas. T'as vu, Je suis sûre que tu peux. Non, je ne peux pas. Si tu peux. Je ne vais pas pouvoir te l'expliquer pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne peux pas. Cécile, Jean-Vincent, ce soir, nous a demandé de l'aider à plaider sa cause. Oui. Et visiblement, ça ne suffit pas. Est-ce que maintenant vous voulez prendre la décision d'ouvrir le rideau, c'est-à-dire de sortir à nouveau avec lui, ou de ne pas ouvrir le rideau, c'est-à-dire de lui dire non, en tout cas pour ce soir? Non, je peux pas. Je suis désolée, mais je peux pas. D'ouvrir et qu'on en discute après, tu peux? Je peux pas, on en a déjà discuté plusieurs fois, je peux pas. Bien, tranquillement. Non, parce que si j'ouvre le rideau, ça va te laisser un espoir et je veux pas te laisser d'espoir. Je peux pas, tu peux pas vivre avec un espoir comme ça. Je sais, c'est dur. Moi, je peux t'accompagner dans ta douleur si tu veux, il n'y a aucun problème, je suis là. Mais je veux pas. Tu sais pas ce que tu perds. Ah ! Et toi, tu sais pas ce que tu perds, ouais. Si, moi, je sais ce que je perds. Moi, je sais ce que je perds. Mais toi, tu sais pas ce que tu perds. Je sais que t'es quelqu'un de bien, mais le problème n'est pas là. J'ai pas envie d'étaler ma vie comme ça devant tout le monde déjà. Je te demande pas d'étaler ta vie, je te demande d'ouvrir le rideau et de revenir avec moi. Je ne peux pas. Mais si, tu peux. Non, je changerai pas d'avis parce que tu m'emmènes à TF1 quand même. C'est pas grave. On vous le confirme, Cécile. Jean-Vincent et Cécile, Jean-Vincent, on va être obligé de fermer l'écran, de fermer la communication que nous avions établie à votre demande avec Cécile. Je crois qu'elle a donné sa réponse, en tout cas sa réponse pour ce soir. Je suis Cécile, désolée. Pourquoi ce refus, Cécile? Parce que c'est jamais bon de revenir en arrière. On a déjà essayé plusieurs fois, ça fonctionne pas. Je ne lui demande pas de changer entièrement sa personnalité. Moi, je l'ai aimé comme il était et... Trop possessif, trop jaloux, ça m'étouffe et moi, je fuis. Je suis un garçon, Pascal est un garçon. Il a fait une démarche totalement chevaleresque ce soir. Oui, non, je Est-ce reconnais. Est-ce que vous êtes quand même touché par cette démarche? Oui, mais il fallait le faire avant.
C'est tout à fait votre droit de ne pas ouvrir ce rideau et de choisir pour votre vie. Merci en tout cas d'avoir été présente merci ce soir. Merci à vous. Merci d'avoir accepté d'entendre cette vérité et d'avoir répondu à notre invitation, Cécile. Merci. Au revoir. On va demander à la régie de nous ouvrir le rideau, s'il vous plaît. Et on va retrouver Jean-Vincent. Jean-Vincent, bravo d'avoir eu le courage de demander pardon à Cécile devant des gens, d'avoir la qualité humaine d'essuyer un refus. On a tous vécu des refus amoureux ou des échecs amoureux, on sait à quel point c'est dur. Et puis l'histoire n'est peut-être pas complètement terminée, mais elle a été claire ce soir tout de même. Ouais, non, mais j'ai préféré qu'elle soit honnête. Je préfère qu'elle me dise non à la télé là, devant tout le monde, qu'elle me dise... Enfin, je préfère qu'elle me dise non là, qu'elle me dise oui, et puis qu'après ça se termine, tout ça, qu'elle me dise voilà, je t'ai dit oui pour pas que tu passes non plus pour un. Est-ce que ça vous dit pas aussi que c'est une façon de grandir un peu, d'être capable d'entendre ces vérités bien comme sûr, ça en face. Bien grave, c'est clair, ça. On va dire que ça m'apprendra quoi. C'est un truc pour la prochaine fois, pour la prochaine fille que je rencontrerai, j'arrêterai d'être possessif et d'être jaloux comme ça, et puis on verra. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Merci Jean. On va demander à la régie de nous remettre en contact avec Elsa, qui doit se trouver bien évidemment dans cette loge hermétiquement fermée avec un nouvel invité. Elsa, est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît ? Je vous entends très bien. Je suis d'ores et déjà avec Raymond. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous êtes détendu ? Oui, ça va. C'est vrai ? Ouais. Pourtant, vous ne savez absolument pas de la vérité qui vous attend sur le plateau ? Pas du tout, non. Ça ne vous angoisse pas ? Non, pas spécialement. Bon, en même temps, on a tout fait pour vous mettre à l'aise ici avec la production. Vous avez 49 ans. 47. 47, excusez-moi. Je sais que certaines personnes sont assez pointilleuses sur leur âge. Vous habitez Arles. Oui. Et vous êtes ouvrier agricole. Voilà. Jusque-là, je ne me suis pas trompée. Vous vivez maritalement avec une personne, tout se passe bien ? Oui, impeccable. Vous ne savez absolument rien de la vérité qui vous attend. Néanmoins, elle est en train de se mettre en place sur le plateau. Elle n'est pas très loin, elle est juste au bout du couloir. Je vous rends l'antenne et je reste encore un petit moment avec Raymond. Merci Elsa. Alors, qui ce soir a une vérité à révéler à Raymond ? On va le savoir tout de suite en accueillant Aline. Bonsoir Aline. Bonsoir Aline. Bonsoir. Bienvenue dans Y'a que la vérité qui compte. Tout de suite une question, on vient de voir Raymond. Oui. Qui est Raymond ? Raymond est mon père. Ouais. C'est votre papa ? C'est mon papa, oui. Et depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vu ? Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Plus d'un an. Vous pouvez nous dire rapidement pour quelle raison ? Bah, en fait, mon père, c'est un homme formidable, mais il est très possessif, très protecteur. Et il ne supporte pas que j'ai des petits copains et ça a mal passé. Donc, il veut que je reste sa petite fille et on grandit de jour en jour. Et j'ai beaucoup pris d'indépendance et ça, il n'a pas supporté. À partir de quel moment vous avez eu un problème avec lui ? Et pourquoi depuis un an, vous ne le voyez plus ? Bah, parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un donc, il y a un peu un an et demi. Et j'ai eu un petit garçon, donc il a 5 mois. Et mon père n'a pas supporté que je sois enceinte et que j'ai mis au monde un petit garçon. Parce que j'ai toujours sa petite fille de 8 ans et c'est pas facile. Un an sans voir son papa, c'est dur. Vous nous avez demandé ce soir de vous aider à le retrouver, de vous aider à lui parler. Pourquoi avoir utilisé la télévision ? Ben, pour lui montrer qu'il me manque, que j'ai fait des erreurs et que je veux qu'il me pardonne ce soir. Et que je veux lui présenter son petit-fils qui a 5 mois et demi et c'est mon plus grand souhait. Ce petit-fils, ce fils pour vous qui s'appelle ? Enzo. Alors Aline, vous vivez seule avec Enzo, vous l'élevez toute seule. Mmh. Une raison de plus pour que votre père Raymond vous manque. Comment vivez-vous à Langres, en Bourgogne ? C'est ce que nous sommes allés découvrir. Mon père, je l'aime, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il me manque énormément. Et c'est vrai que en fait, c'est le premier homme de ma vie, mon père. Et je sais que maintenant que j'ai un petit garçon, je veux qu'il me connaisse en étant maman. Il grandit peu à peu, Enzo, et je voudrais bien que mon père le rencontre et qu'il devienne son grand-père.
C'est en se plongeant dans les albums de famille qu'Aline se prête au jeu des ressemblances. Enzo aurait même les yeux de son grand-père. Seul le montage photo lui permet aujourd'hui de rêver à une famille unie. Impossible pour Aline de ne pas se retourner lorsqu'elle croise un homme qui pourrait être son père. Pour combler son bonheur, il ne lui manque plus que de présenter Enzo à son grand-père. Quand je suis dans la rue, je suis touchée quand je vois des grands-pères avec leurs petits-enfants. Je suis heureuse quand en fait je me dis que je voudrais bien que ça soit mon père qui soit là. Ces gens-là, ils ont beaucoup de chance d'avoir un grand-père qui s'occupe de leur petit-fils comme ça. Heureusement, Aline est bien entourée. Sa meilleure amie Sabrina est toujours à ses côtés. Cette année, la fête des pères ne fait qu'amplifier le terrible manque qu'Aline éprouve depuis un an. Bonjour. Salut. Bonne fête, papa. Merci. Gérard. Oui. Ouf. Sabrina me prête un petit peu son papa parce que j'aimerais bien que le mien soit là aussi pour qu'il s'occupe d'Enzo comme Gérard y fait. C'est une présence qui me manque, donc j'ai besoin comme tout enfant en fait. Le fait qu'il a déjà été papa, il sait bien s'occuper des enfants. Et c'est vrai que pour Enzo, ça serait bien qu'il y ait une présence masculine. Mon rêve, c'est que mon père m'appelle pour me demander de venir le rejoindre. Donc je prendrai toutes mes affaires, mon fils, et je sauterai dans le premier train pour aller le rejoindre. 500 km séparent Aline de son papa. Les trains partent à l'heure, les amours de famille restent sur les quais de gare, à moins que ce soir, tout change. Aline, tout va peut-être changer ce soir. On pourrait juste préciser, où est le papa d'Enzo aujourd'hui, votre fils de 5 mois? Le papa d'Enzo habite à côté d'Arles et on s'est séparés dès le début de ma grossesse. Donc vous n'avez pas de nouvelles de lui? Pas de nouvelles, non. Et vous ne souhaitez pas forcément en avoir et c'est pas la discussion qu'on a ce soir, voilà, avec vous? Exact. C'est pas la discussion de ce soir, mais d'une certaine façon, est-ce que vous vous rendez compte que votre père avait peut-être raison? Ou est-ce que c'est ce que vous vous dites en tout cas? Mon père avait énormément raison, il me donnait conseils et je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas tout suivi et maintenant je regrette parce que moi je ne regrette pas d'avoir mon fils, mais je regrette de ne plus avoir contact avec mon père. Alors pourquoi est-ce que c'est maintenant le moment, à votre avis, d'essayer de vous réconcilier avec votre père? En fait, je pensais qu'il allait céder avant moi. Et un an, ça fait trop loin. Et Enzo grandit de jour en jour, et il évolue et je préfère que mon père le voie quand il est petit, le voie grandir petit à petit. Vous nous avez demandé de vous aider à vous réconcilier avec votre papa ce soir. Il va vous découvrir dans quelques instants, il va arriver sur ce plateau. Mmh. Quelle est, selon vous, la réaction qu'il va avoir? Touchante, il va me faire pleurer. Mmh. Non, il va être, je pense, énormément content. Oui. Oui. Vous croyez que c'est un moment qu'il attend, lui aussi? Peut-être, oui, je pense. Alors, quelle va être la réaction de Raymond? On va le savoir dans quelques petits instants. Aline, vous connaissez le principe, on va vous demander de rester de ce côté-là, très silencieuse. Très silencieuse. Parce que nous allons maintenant accueillir Raymond de l'autre côté de ce rideau qui va se refermer, bien entendu. Et on va demander à la régie de nous mettre dans quelques instants en relation avec Elsa qui se trouve toujours aux côtés de Raymond. Raymond qui n'a absolument rien entendu de ce qu'on vient de se dire, bien sûr. Hein. Absolument, il était isolé avec moi pour le garder, donc rien n'a transpiré. Raymond, la vérité vous attend désormais au bout du couloir. Vous êtes à quelques minutes de la découvrir. Mmh. Bonne chance. Merci. Bienvenue. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Bienvenue. Asseyez-vous là. Raymond, si vous êtes là ce soir, vous le savez, c'est que quelqu'un qui est en ce moment même de l'autre côté de ce rideau a quelque chose d'important à vous dire. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui peut être derrière ce rideau? Est-ce que vous croyez que c'est une demande, un remerciement, un reproche, pourquoi pas? Non, je vois pas. Vous n'avez aucune idée? Non. Il y a quelques jours déjà qu'on vous a appelé, qu'on vous a fait venir. Vous vous êtes posé des questions? Oui, un petit peu, ouais. Puis après, j'ai
Avec mon travail, j'ai laissé couler, on verra bien. Quand vous avez dit on verra bien. Ouais. Alors on va le voir et vous allez le voir dans quelques instants pour essayer de vous aider un petit peu à deviner de quoi il peut s'agir. Nous sommes allés demander à des personnes dans la rue, en fait, de se mettre un peu à votre place et de dire comment elles auraient réagi et ce qu'elles pensaient de cette situation. Regardez. Tu vois, Raymond, ce qu'on va te demander ce soir, pour moi, c'est la chose la plus importante dans la vie. Alors Raymond, d'après vous, quelle est la chose la plus importante dans votre vie ? Protéger ma famille. Avant tout ? Avant tout, oui, d'abord, dès le départ. Et vous croyez que c'est de ça dont parlait ce monsieur ? Je pense. Alors on va voir un deuxième indice peut-être avec cette deuxième réaction, ce deuxième témoignage, regardez. Raymond, si j'avais un conseil à te donner, ça serait de mettre ton cœur avant ta fierté. Vous êtes quelqu'un de plutôt fier, Raymond, paraît-il, on s'est renseigné. Est-ce que votre fierté passe parfois avant votre cœur ? Ah, je ne pense pas, je ne crois pas. Le cœur avant la fierté ? Oh, je crois, oui. Jamais la fierté avant le cœur ? Je ne pense pas, non. Alors Raymond, est-ce que vous avez envie de découvrir qui est de l'autre côté de ce rideau ? Ouais, qui est venu vous parler ce soir ? Ouais, alors regardez cet écran, je vais demander en régie de faire apparaître dans les écrans l'image de la personne qui a une vérité à révéler à Raymond ce soir. C'est votre fille Aline. Ah oui. Bonsoir papa. Bonsoir. Bah, tout d'abord, je suis contente que tu sois venue. Si je suis là ce soir, en fait, c'est pour te demander un petit peu pardon. Pour que tu me pardonnes de toutes les erreurs que j'ai faites. Et en fait, j'ai un petit cadeau pour toi ce soir. Tu sais très bien qu'il y a 5 mois et demi, maintenant, j'ai eu un petit garçon. Et aujourd'hui, ben, je voulais te le présenter. Parce que c'est quand même ton petit-fils. Et il a besoin de son grand-père. Donc, eh ben... Papa, je vais te présenter Enzo, qui a aujourd'hui 5 mois et demi. Inspire beaucoup. Donc, acceptes-tu une part de rencontrer mon petit-fils, de reprendre des liens avec moi, ta fille, et d'ouvrir ce rideau? Oui, avec grand plaisir. Aline, je crois que vous avez apporté des images à montrer à votre papa. Oui. Mignon. On aurait envie de dire, c'est tout le portrait de son grand-père. Hein. Les images qui ont été tournées par Aline, du petit Enzo. Est-ce que vous vous attendiez à cette demande ? Non, pas du tout. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu votre fille ? Oui, un bon moment, oui. Ça vous fait plaisir de l'avoir ce soir ? Ah oui, oui, ouais, très grand plaisir, oui. Ouais, surtout quand on s'est séparés, c'était un peu froid. Et là, c'est vrai que c'est important pour vous qu'elle fasse le premier pas. Oui, je crois, je pense. C'est... Ouais, je suis heureux. Alors Raymond, je vais vous demander de vous lever, de vous placer devant ce bouton ici, qui permet d'actionner le rideau. Prenez votre temps, vous avez tout le temps pour réfléchir, vous avez le temps pour gérer votre émotion. Les quelques minutes que nous laisse la pub. Retour sur le plateau, il n'y a que la vérité qui compte. Le rideau va-t-il s'ouvrir ? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir tout de suite. Vous appuyez quand vous voulez sur ce bouton. Bon, bah...
peux le dire. Tu me manques énormément. Tu es mon père, je t'aime. Mais... Merci. T'es un peu déçu, hein. Restez là, on va arriver, on va venir vous voir, nous. Ah, ça me fait plaisir. Je suis contente. Combien de temps que vous ne vous étiez pas vus? Un peu plus d'un an, un an et demi. Ouais, à peu près, ouais. En gros. Ouais. Raymond, pourquoi avoir attendu, vous, pour rétablir le lien? Pourquoi avoir attendu qu'Aline le fasse? Ça, alors là, franchement, je sais pas. C'est... Peut-être qu'elle m'avait touché dans un endroit un peu sensible, alors... Ouais, peut-être que là, il y avait peut-être ma fierté qui était présente. On parlait de fierté tout à l'heure, oui. Ouais, qui a dû faire un barrage, à mon avis. Et vous êtes fier qu'elle ait réussi, pour le coup, à mettre sa fierté, un mouchoir dessus, ah et oui, qu'elle oui. soit venue nous ah voir oui, pour ah oui, oui, oui. frapper à votre fier. Porte. Ouais. Franchement, je suis fier. Vous êtes... qu'on est des battants, alors. Vous êtes heureux à la perspective de découvrir dans quelques secondes, il vous attend en coulisses, je crois, Aline. Hein. Oui. Votre petit-fils, Enzo. Oui, oui. Eh bien, on va vous laisser aller le découvrir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ouais. On vous souhaite plein d'honneur, en tout cas. On est très heureux d'avoir, à notre modeste place, aidé à ce que vous retrouviez. On espère que vous ne vous disputez plus, que vous resterez comme ça, main dans la main, et fort et unis pendant très longtemps. Ouais. Salut. Merci, au revoir. Merci à vous. Nous nous retournons vers Elsa, toujours dans sa loge, où il est impossible de savoir ce qui se passe sur le plateau. Elsa, est-ce que vous êtes avec nous, Elsa? Oui, je suis bel et bien avec vous, toujours au frais, toujours isolée. Et je suis désormais en compagnie de David. Bonsoir, David. Bonsoir, Elsa. Ça va? Bien, ouais. Ça va. David, vous avez 27 ans, vous habitez actuellement à Lille. C'est ça. Vous vendez des produits d'assurance. Exactement, ouais. Comment vous vous sentez? Un petit peu tendu. Un petit peu inquiet, surtout. Surtout, comme je ne Pourtant, sais pas un du tout assureur, ce qu'il attend, Elsa, ça. Dites-moi, un domaine qui vous passionne, c'est la musique. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. Vous, ce que vous aimez, c'est découvrir des talents. Ouais. En l'occurrence, vous les mettez sur Internet. Exactement. On a une association sur l'île avec des amis, donc qui nous permet de faire de la rediffusion de concerts sur Internet, et en même temps de pouvoir découvrir des nouveaux talents, en fait. Eh bien, ce soir, c'est vous qui allez découvrir quelque chose, puisque la vérité vous attend à l'extérieur de cette loge. Pascal, Laurent, je vous laisse mettre la vérité en place sur le plateau. Encore quelques secondes avec David, et il arrive vous rejoindre. Merci Elsa, merci David, on vous retrouve bien entendu dans quelques instants. Le temps justement de découvrir qui a voulu ce soir parler à David et lui révéler quelque chose d'important. Et pour le savoir, nous allons accueillir immédiatement Betty. Bonsoir, ça va ? Bonsoir Betty, bonne place. Bonsoir Betty. Bonsoir. Ça va? Ça va. Bon, vous êtes cool? Cool, hein. Tout va tendu, mais cool. On est entre nous. Quand est-ce que vous avez rencontré le jeune garçon qu'on vient de voir et qui vient de Lille et qui s'appelle David? Eh bien, j'ai rencontré David à l'occasion d'une mission intérimaire il y a 4 mois. Et en fait, on a travaillé ensemble. Et qu'avez-vous ressenti quand vous l'avez vu? Au départ, j'étais charmée un petit peu. C'était pas le coup de foudre. Et puis après, ben, j'ai appris à le connaître. C'est après que c'est venu, en fait, les sentiments. Les sentiments, ça veut dire quoi? Que vous avez craqué pour lui? Je suis tombée amoureuse de lui. Et c'était il y a combien de temps? C'était ben, quand j'ai arrêté ma mission intérimaire, en fait, je me suis rendue compte que j'étais beaucoup plus attachée qu'à lui, que je le croyais. Donc, c'est là que je me suis rendue compte que, ben, que j'étais un petit peu plus attachée à lui que je le croyais. Alors, vous êtes sûre de vos sentiments? Ah oui, sûre et certaine, oui. Et vous lui trouvez quoi, David? David, c'est quelqu'un de très patient, de très calme, de drôle, de très ouvert. Et c'est toutes ces qualités que j'aime chez lui. Il n'est pas au courant de cet amour-passion? Non. Vous craquez souvent sur vos collègues de travail? Non, c'est la première fois. Et vous n'y avez jamais dit ouvertement, en face? Non, je ne l'ai jamais dit, parce que bon, après, on est sortis ensemble plusieurs fois, on a fait du sport ensemble... On est allé à des petits concerts ensemble, mais après, plus le temps passait, plus c'était difficile de lui dire, en fait. Donc, je ne savais pas vraiment comment lui dire. Et donc, après, c'était un petit peu plus difficile. À votre avis, quelle sera sa réaction une fois qu'il va découvrir dans quelques secondes votre visage sur l'écran et qu'il va entendre ce que vous avez à lui dire? Bah, je pense qu'il sera surpris. Et puis après, je ne sais pas quelle pourrait être sa réaction. Vous l'imaginez? Bah, j'espère que ce sera une bonne réaction, qu'il aura les mêmes sentiments que moi. Vous pensez qu'il partage ses sentiments?
Je ne sais pas du tout. Même si j'ai une petite idée, même si j'aimerais que ça soit positif, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment interpréter son attitude avec moi, justement. Comme souvent dans cette émission, on prépare nos invités à un éventuel refus. On vous a expliqué certainement, j'imagine, notre équipe vous a expliqué qu'il y avait possibilité que vous ayez un refus. Mm-hmm. Vous le vivriez comment ? Ben, je serais déçue, forcément, mais bon, j'aimerais quand même malgré tout continuer à le voir. En tant qu'amie ? Puisque jusque-là, j'ai réussi à me taire, donc j'accepterais très bien un refus, et même si ça sera dur, mais j'aimerais quand même le revoir, parce que je tiens beaucoup à lui. C'est important, en tout cas pour vous, de faire cette déclaration ce soir. Oui, ça va me soulager, ça fait trop longtemps que j'attends et il faut que je lui dise. Alors on va connaître la réaction de David dans quelques instants. Betty, vous restez toute sage, toute silencieuse ici. Et très silencieuse. Le rideau va se refermer derrière Laurent et moi pour que nous puissions accueillir David dans cette partie du plateau. Si la régie veut bien nous mettre maintenant à nouveau en communication avec Elsa qui est aux côtés de David. Elsa. Oui, je suis toujours aux côtés de David, je ne l'ai absolument pas lâché. David, ça y est, le moment est arrivé enfin de découvrir la vérité. Elle se trouve juste au bout de ce couloir. Je vais vous laisser entre les mains de Philippe, très bien, qui va vous guider jusqu'au plateau. Parfait. Où vous allez enfin tout découvrir. Bonne chance. D'accord, merci. Bonsoir David. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Prenez place. Bonsoir. Bonsoir David. Ah, ça fait drôle, hein? Oui. Je reste un petit peu... Je vais regarder partout comme ça, faire des yeux furteurs. Bah, je David, suis vraiment étonné, forcément. Forcément, parce que les invitations de Y'a que la vérité qui compte sont toujours un peu étonnantes. On vous dit, David, quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Et ce soir, en ce moment même, cette personne se trouve, David, de l'autre côté de ce rideau. Elle vous regarde d'ailleurs en ce moment même, vous ne la voyez pas. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle, une demande, un remerciement ? J'espère que c'est une bonne nouvelle, évidemment. J'espère que c'est une bonne nouvelle, peut-être un remerciement. Enfin, pour être vraiment honnête, je ne sais absolument pas. Donc, je me laisse guider un petit peu par la surprise. Là, visiblement, je pense que ça peut être une bonne surprise. C'est agréable ? Pardon ? C'est agréable ? C'est agréable, mais en même temps, c'est un petit peu angoissant. Ouais. Alors, comment pourriez-vous réagir ? C'est ce que nous avons demandé à des personnes que nous avons mises un peu à votre place. Regardez ce premier avis. Tu sais, David, c'est un sacré cadeau qui t'attend. Ah. Un cadeau ? Un cadeau, un sacré cadeau. Ça vous fait penser à quoi, David ? Un cadeau, bah, je sais pas. Une personne peut-être que je n'aurais pas vue depuis longtemps. C'est possible. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Non, pas vraiment. J'ai beaucoup d'amis, évidemment, étant donné que j'ai habité dans différentes régions de France, forcément des personnes que je n'ai pas vues depuis quelques années. Donc ça peut être évidemment cette voie-là où, je ne sais pas, on peut s'imaginer un petit peu tout et rien, forcément. Une retrouvaille, donc vous pensez à une retrouvaille ? Peut-être une retrouvaille, peut-être. Alors David, pour vous aiguiller un petit peu plus, tout de suite un deuxième avis masculin. Alors moi, c'est bien simple, j'ai vécu ça, je m'en suis jamais remis. Ça vous éclaire ? Mais il m'a pas l'air très rassurant quand même. Hein. Ça dépend, on peut dire on ne s'est jamais remis de ça quand c'est une très bonne nouvelle, quelque chose qui change la vie positivement. Alors j'espère vraiment que c'est une bonne nouvelle, parce que s'il s'en est jamais remis... Vous redoutez quelque chose ? Non, rien en particulier. Il n'y a pas de... Alors peut-être, David, qu'une femme va vous aider davantage, regardez. Ça m'est arrivé, ça a été le plus beau moment de ma vie et ça dure encore aujourd'hui. Que ce soit le plus beau moment de votre vie, c'est évidemment ce que nous vous souhaitons. Vous croyez que vous allez vivre ce soir l'un des plus beaux moments de votre vie ? Bah je le souhaite, hein, bien sûr. Je souhaiterais vivre un des plus beaux moments de ma vie, forcément. David, en tout cas, est-ce que vous voulez maintenant découvrir la personne qui est de l'autre côté de ce rideau ? Oui, tout à fait. Oui. Alors vous allez dans un premier temps fixer ces écrans et j'ai demandé à la régie de faire apparaître... dans les écrans, l'image de la personne qui est venue ce soir révéler une vérité importante pour elle à David. Ah, c'est génial. Waouh, ouais, surprise. Salut David. Salut Betty.
Voilà, je vais te faire une petite surprise, hein, car j'ai quelque chose à te dire. C'est... ouais. J'aurais voulu profiter de cette émission, en fait, pour te faire une déclaration d'amour. Comme tu sais, je suis très romantique. J'aime bien faire les surprises et ça fait un bon moment que j'attendais pour te le dire. Je savais pas trop comment te le dire. J'ai eu cette opportunité de venir ici pour te le dire et je suis venue parce qu'il fallait vraiment que je te le dise. Et puis... C'est... Oui, là c'est vraiment une grande surprise, Betty. ça me touche énormément, c'est clair. C'est une grande surprise. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment très content. Et c'est des sentiments partagés, Betty, en plus. Ce sont vraiment des sentiments partagés. David, vous attendiez à voir Betty vous dire un jour, peut-être pas sur un plateau de télévision, mais à vous dire qu'elle elle était amoureuse de vous? Je l'espérais peut-être certainement en secret, ouais, très certainement, mais là, la voir ce soir ici, non, je pensais vraiment pas. Ça me paraissait complètement, complètement utopique, en fait. Ça dépassait complètement mon imagination, forcément. Pourquoi vous ne l'avez jamais parlé? On s'est toujours beaucoup parlé, tous les deux. On a toujours eu beaucoup de conversations. J'espère que tu partages mon avis, Betty. Ouais, toujours. Ouais. Et c'est peut-être le fait de passer le pas qui m'a peut-être toujours manqué, même très certainement. Alors David, l'occasion, effectivement, Betty l'a créée ce soir dans « Il n'y a que la vérité qui compte ». Je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien. Vous me placez derrière le bouton qui permet d'ouvrir le rideau. Vous savez que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens « Prenez le temps de la réflexion, vous avez le temps ». Mais là, j'ai presque envie de dire « Allez-y ». Ouvrir ce rideau, David, ce sera effectivement pour vous dire à Betty que vous êtes en tout cas d'accord pour faire ce pas supplémentaire vers elle et puis, effectivement, vous avouez peut-être plus directement vos liens, vos sentiments amoureux. Mmh. Quand vous voulez, David. Quand vous voulez. C'est surprise, Betty. Betty, ouais. Et David, on est évidemment avec Laurent extrêmement heureux de cette issue. Betty, merci d'avoir eu ce courage, effectivement, de faire cette déclaration ce soir à David. Et David, on est très heureux que vous l'ayez reçu aussi favorablement et que ces sentiments aient été partagés. Mm-hmm. On va vous laisser vivre le reste, bien évidemment, dans l'intimité parce que ça ne regarde plus que vous. Vous avez des choses à vous dire? Vous avez des choses à lui dire par rapport à cette démarche? Allez-y, mais ne nous regardez pas, dites-lui. Hein. Moi, je sais que j'aurais jamais déjà eu en fait l'idée de le faire. Puis surtout, peut-être le cran aussi de le faire. C'est très courageux de ta part. C'est vraiment très courageux. Merci à vous deux. C'est merveilleux. Et que tous vos vœux se réalisent, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt, tenez-nous au courant, donnez-nous des nouvelles. On va retourner vers Elsa. Elsa, toujours dans sa loge, où on n'entend pas ce qui se passe sur le plateau. Elsa qui ne suit pas beaucoup l'émission. Hein. Vous êtes avec nous, Elsa? Oui, je suis bel et bien avec vous et je vous confirme, je ne suis absolument pas l'émission vu que je ne sais absolument pas ce qui se passe en dehors de cette loge. Je suis désormais aux côtés de Monique. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Elsa. Bienvenue. Bonjour. Monique, vous avez 49 ans. C'est ça. Vous vivez tout près de Marseille. Allô. Allô. Vous êtes fleuriste, Monique? Oui. N'est-ce pas? Quelle est votre fleur préférée? C'est le lys. Le lys. Vous savez que dans certaines fleurs, il y a parfois des épines. Il va falloir peut-être ce soir les contourner. L'essentiel étant d'affronter la vérité en face. La France entière est avec vous ce soir. Eh bien, on va les contourner. Sinon, tout se passe bien avec Jacques? Tout se passe bien, oui. Vous vivez maritalement avec lui depuis quelques années? Depuis 2 ans. Est-ce que vous aimeriez être grand-mère? Eh, bientôt. Bientôt?
Laurent Pascal, je vous laisse mettre la vérité en place sur le plateau. Je reste encore quelques petites minutes avec Monique, le temps de vous l'envoyer. Merci Elsa, on vous retrouve tout à l'heure avec Monique. Alors, qui ce soir a une vérité à révéler à Monique? À cette jolie fleuriste, nous allons savoir tout de suite en accueillant Laetitia. Bonsoir. Bonsoir. Laetitia, vous êtes un petit peu tendue? Un peu. On vient de voir Monique, fleuriste, près de Marseille. Qui est Monique? Ma maman. C'est ma mère. Et comment pense-t-elle, Monique, que vous occupez vos journées? Elle croit que je suis étudiante, que je passe pour passer le concours, en fait, pour être directrice de centre aéré. Et en réalité, que faites-vous? Je suis gogo danseuse. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous expliquer en quelques mots ce que c'est que ce métier? Ben, je danse la nuit en discothèque et habillée sexy. Ah, depuis quand menez-vous, Laetitia, cette double vie? Ça fait 2 ans que je suis étudiante et gogo danseuse la nuit, mais ça fait 1 mois que j'ai décidé d'arrêter l'école, donc je veux être gogo danseuse uniquement. Alors à votre demande, Laetitia, nous vous avons suivi pendant une journée en caméra cachée pour mieux comprendre justement ce que c'est, ce que vous faites d'abord, et puis comment vous êtes obligée de vivre dans le mensonge depuis un certain temps, chose que vous ne voulez plus ce soir, puisque vous voulez révéler la vérité. Mais regardez les images de Laetitia suivies en caméra cachée. C'est vrai que j'aime les enfants. Je voulais être directrice de centre aéré pour travailler auprès d'eux. J'aime jouer avec eux, leur lire des histoires, être auprès d'eux. Mais aujourd'hui, lorsque Laetitia déambule dans les rues de Marseille, c'est le cœur lourd, lourd d'un secret, d'une double vie qu'elle cache à Monique, sa maman. Ma mère croit que je viens ici tous les jours, mais ça fait plus d'un mois que j'ai arrêté l'école. Voilà l'école où je devrais être tous les jours. Depuis 2 ans, Laetitia est gogo danseuse, mais depuis 1 mois, elle a fait son choix. Sa passion, c'est la nuit. Incapable d'annoncer à sa maman que sa vie professionnelle ne commence qu'à partir de 11h du soir, Laetitia ment et se cache. J'ai 2 portables, ma mère n'est pas au courant de ma 2e ligne. J'ai ma ligne professionnelle et ma ligne personnelle. Et j'ai aussi un agenda pour pouvoir travailler et placer mes rendez-vous, mes contrats. Lorsque les deux femmes font les courses ensemble, Laetitia joue le jeu. Elle achète des vêtements discrets, passe-partout. Moi, ma mère, c'est tout. C'est la seule personne qui m'a élevée, qui a toujours été là pour moi. C'est ma meilleure amie, c'est ma confidente. Vu que je sais qu'elle, elle me dit toute la vérité, j'ai de plus en plus de mal à regarder ma mère droit dans les yeux, parce que des fois, quand je la vois et que je lui mens toute la journée, je n'ose plus me regarder dans la glace. Pour Laetitia, impossible d'emmener sa maman dans sa boutique préférée. Elle ne comprendrait pas son attrait pour des vêtements et des tenues très très sexy. Même chez elle, Laetitia cache sa double vie. Son personnage de scène, Léa Brinks, est caché dans un placard toujours bien fermé. Voilà la garde-robe de Laetitia, celle que tout le monde connaît. Je vais vous montrer autre chose, ma 2e garde-robe, celle de ma 2e vie. Ma mère n'est pas au courant, c'est toujours fermé à clé. La garde-robe de Léa Brinks. De suite plus sexy. Un petit morceau de chaud de ce soir. Minuit, la vraie vie de Laetitia commence, direction les boîtes de nuit. Fini la jeune fille modèle, entrée en scène de Léa Brinks. Et ce soir, en exclusivité pour vous, la grande, la superbe, la formidable Léa Brinks. 3 passages d'un quart d'heure pendant lesquels Laetitia se sent une star, proche de son public, mais qui se veut intouchable. Sa vraie vie professionnelle et sa passion, c'est ça, danser la nuit. Sa mère va-t-elle l'accepter? Pourquoi vouloir annoncer ça à vos parents, mais donc avant tout à votre mère, vos parents étant séparés depuis quelques années, mais ils s'entendent très bien ce soir? Parce que ça fait longtemps que je lui cache et il fallait bien un moment, donc pourquoi pas aujourd'hui? Vous n'avez pas peur de sa réaction? Disons que ma mère est restée très jeune dans sa tête, donc je pense qu'elle me comprendra, j'espère. Et non, j'ai pas peur, on verra. Que va-t-elle se passer quand elle va découvrir votre vrai visage? Là, je parle pas de sa fille Laetitia, qu'elle connaît bien, mais votre vrai visage, celui qui est votre réalité aujourd'hui dans l'écran. Je sais pas du tout, on verra. Je sais pas. Ça va être une belle surprise.
Vous avez en tout cas voulu ce soir prendre ce risque parce que vous ne voulez plus vivre dans le mensonge. Alors, quelle va être la réaction de Monique? On va le savoir tout de suite, dans quelques instants. Parce que pour l'instant, c'est la pub. Notre invitation. Bonsoir madame. Prenez place. Monique, ce soir sur le plateau de Il n'y a que la vérité qui compte, derrière ce rideau très exactement, quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de gentil, de méchant? Est-ce que vous croyez que c'est une demande, un remerciement, une bonne, une mauvaise nouvelle? J'espère que c'est quelque chose de gentil. Maintenant, je ne sais pas du tout. On vous a appelé il y a quelques jours, oui. Selon le même principe. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ce soir. Vous avez simplement accepté très formellement et très solennellement de participer à cette émission. On vous en remercie. Est-ce que vous êtes posé des questions? Est-ce que vous êtes dit, j'ai bien une petite idée? Non, je n'ai pas d'idée. Je me suis posé des questions. Bon, mais là, j'attends, je vais voir. Comme je dis, j'espère que ce sera une bonne nouvelle. Alors Monique, il y a beaucoup de monde déjà au courant. D'abord le public, les téléspectateurs, Laurent et moi, et puis aussi certains de vos proches. Nous leur avons demandé quelle pourrait être votre réaction. Alors ils ont leur avis sur la question, comme par exemple votre neveu Charlie. Regardez. Tati, là ce que tu vas apprendre ce soir, ben, ça va être une sacrée surprise. Tu peux me croire. Alors il s'attend à une sacrée surprise de votre part, Charlie. Vous attendez une heureuse ou une bonne nouvelle en ce moment? En ce moment, j'attends une bonne nouvelle, mais je le sais, que je vais être grand-mère dans 2 mois. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ça, je le sais, donc je ne pense pas que c'est ça. Donc le reste... Monique, qui est cette Stéphanie que vous connaissez depuis 20 ans, ou plus de 20 ans même? Oh, Stéphanie, c'est une amie, disons, depuis toujours. Je connais sa maman, et puis c'est une amie de ma fille. Donc, il y a peut-être un rapprochement avec ma fille, là, si elle Stéphanie. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, Stéphanie? Oui, je l'aime beaucoup. Elle aussi, elle est au courant. Donc, c'est assez... Monique, il y a un moment dans la vie où il ne faut plus jouer à la comédie, il faut voir la réalité en face et surtout, il faut avoir confiance. Alors, Monique, est-ce que vous avez une idée? On a bien compris que votre fils attendait un enfant en 2 mois, donc ce n'est pas cette nouvelle-là, pas lui, vous non, la connaissez parce que déjà. Je le sais. Est-ce que vous avez une idée de la nature, de la vérité qui va vous être révélé une fois que vous allez ouvrir ce rideau? Là, je pense que c'est quelque chose en rapport avec ma fille, puisque votre vu qu'il y a Stéphanie, Laetitia, son cousin avec qui elle s'entend très bien, donc je pense que c'est elle. Peut-être qu'elle va m'annoncer une nouvelle, elle aussi, une bonne nouvelle. Monique, est-ce que vous voulez en tout cas découvrir qui se cache de l'autre côté de ce rideau? Oui, je veux le savoir. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran et je vais demander à la régie de bien vouloir faire apparaître dans l'écran l'image de la personne qui ce soir a voulu révéler quelque chose d'important à Monique. Bah écoute, maman, tu sais que je t'aime très fort et je ne veux plus te mentir, je veux te dire la vérité maintenant. Donc, tu sais que j'ai toujours aimé sortir la nuit, j'ai toujours aimé la danse. Donc, je suis gogo danseuse, j'en ai fait mon métier et j'aime vraiment ce métier, j'espère que tu me comprendras. Mais je veux que tu saches qu'il faut que tu me fasses confiance. Ça n'ira jamais plus loin que le gogo et je ne serai jamais une fille facile. Ça, tu me connais bien et sois sûre de ça. Je crois, Laetitia, que vous avez décidé de faire quelque chose et de montrer des choses à votre maman ce soir. Oui. Vous voulez qu'on lui montre des images? Oui, oui. Alors, si la régie peut nous envoyer le magnéto... Yeah.
Monique, est-ce que vous trouvez votre fille courageuse ce soir? Oui. De vous faire cet aveu. De me faire ça, puis devant tout le monde, je trouve ça courageux, oui. Vous comprenez qu'elle n'ait pas osé vous le dire plus tôt ou tout de suite? Non, non, je ne comprends pas pourquoi elle ne me l'a pas dit plus tôt. Au contraire, qu'elle ait attendu de me le dire là. Je pense qu'elle elle sait quand même que je suis assez tolérante, donc elle aurait pu me le dire avant. Vous êtes choquée par ces images? Pas vraiment. C'est un monde que vous ne connaissez pas? Non, 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 mais connaissant Laetitia, je ne suis pas trop choquée, parce que comme je vous dis, elle adore danser et... Non, je ne suis pas vraiment choquée. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance? Oui, oui. Je pense qu'elle n'ira pas plus loin que ça. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Laetitia qui vous regarde ce soir et qui vous écoute. Qu'est-ce que j'aurais à lui dire? Pourquoi elle ne m'en a pas parlé avant? Pourquoi elle... Parce que c'est vrai qu'on est très, très complices. Et que, bon, que mon neveu soit au courant, tout le monde est au courant, sauf moi. Elle aurait pu me le dire avant. C'est tout. Puis je lui répète, ça va durer peut-être un an ou deux, c'est tout ce que ça va durer, et qu'il ne faut pas qu'elle fasse que ça. Voilà. Ce n'est pas l'avenir pour vous. Non, non. Monique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer derrière ce bouton qui permet d'ouvrir le rideau en regardant l'écran. Est-ce que, Monique, vous acceptez de pardonner à Laetitia de vous avoir menti, et puis surtout, est-ce que vous acceptez cette vie, ce métier qu'elle vient de vous révéler ce soir? Oui, je lui pardonne, c'est sûr, et puis je l'accepte, parce que même si je ne l'acceptais pas, je crois qu'elle le ferait quand même. Et je ne veux pas me fâcher avec ma fille et disons, disputer avec elle pour quelque chose et ne plus la voir. Donc, j'accepte. Prenez votre temps et vous appuyez sur ce bouton quand vous voulez, Monique. Laetitia, vous étiez à peu près sûre d'être pardonnée par votre mère, par Monique? Vu ce qu'elle a dit, oui. Là. Mais sinon, non, j'étais pas sûre. Surtout d'avoir. Je pensais qu'elle allait accepter, mais j'ai pas voulu lui dire de suite. Et après, j'ai trop attendu. Donc, je pensais plus qu'elle allait pas accepter le fait que je lui ai menti pendant 2 ans, plutôt que. Que le métier en lui-même. Ouais, mais par contre, je sais pas si elle va accepter que je compte arrêter mes études. Et... C'est la personne la plus importante de votre vie, votre maman? Oui, il y a que ma mère. Ouais, complice. Ouais. Bah, c'est elle qui a toujours été là. Donc. Bah voilà, elle va découvrir un autre visage de sa fille, en tout cas une fille courageuse. Et puis vous allez pouvoir vous retrouver en coulisses. Merci en tout cas. C'est un très beau pardon, merci. On va demander à la régie de nous remettre en contact avec Elsa, qui doit se trouver bien évidemment dans cette loge hermétiquement fermée avec un nouvel invité. Elsa, est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Je vous entends très bien. Je suis actuellement en compagnie de Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Alors, pour vous dire, hein, Guillaume est à moitié tétanisé. Si. Bon. Pas rassuré, en tout cas, je vous comprends, Guillaume. Vous avez 21 ans? Oui. Vous êtes célibataire? Oui. Toujours? Oui. Vous avez l'air comme ça plutôt réservé, un petit peu timide. Ah bon? Oui. Pourtant, moi, j'ai eu écho d'une folle soirée que vous avez passée il y a quelques années avec quelques-uns de vos camarades. Vous étiez déguisé en pom-pom girl. Vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Mm-hmm. Votre père est tombé sur la cassette. Ah oui? Oui. D'accord. Il l'a bien pris? Oui. Oui? Est-ce que vous pensez que la vérité qui vous attend a un quelconque rapport avec cette folle soirée? C'est possible. C'est possible. Ouais. Je ne vous en dirai pas plus. Laurent, Pascal, je vous laisse mettre la vérité en place sur le plateau. Je reste encore quelques minutes en compagnie de Guillaume. Merci Elsa, merci Guillaume. On vous retrouvera dans quelques instants. Alors, qui ce soir est venu dire quelque chose de très important à Guillaume? Nous allons savoir tout de suite en accueillant Colette. Colette, en place. Alors, vous avez une vérité à révéler à Guillaume ce soir.
Guillaume que l'on vient de voir. Il a contribué à vous sauver la vie alors qu'il n'avait que 19 ans. C'est évident, moi je lui tire mon chapeau parce que 19 ans, faire ça... Bon, Guillaume est pompier, enfin il est pompier, donc j'ai eu beaucoup de chance. Une équipe de télévision était justement sur place en train de réaliser des reportages sur des équipes de sauvetage. Pour la télé anglaise, c'est ça. Et une télévision anglaise, effectivement, qui a donc ramené ces images aussi émouvantes que spectaculaires, celles du jour où l'on a sauvé la vie, où Guillaume a sauvé la vie de Colette. 31 juillet 2000, 13h30, site du lac Blanc à Chamonix. Colette en vacances a décidé de partir en randonnée quand tout à coup la balade tourne au drame. Elle est victime d'un arrêt cardiaque. Dans la panique et l'urgence, les secours sont appelés. Guillaume, 19 ans, est là par hasard et est le premier à intervenir. Il procède à un massage cardiaque. À cet instant précis, Colette est cliniquement morte. Les sauveteurs rejoignent le jeune homme et une véritable chaîne pour la vie s'organise autour d'elle. Ils veulent encore y croire. Le cœur se remet à battre, l'espoir renaît. Après le début de l'intervention, Colette est emmenée en hélicoptère aux urgences de l'hôpital de Chamonix. Jusque-là, on ne sait toujours pas si elle est définitivement sauvée. Le cœur va-t-il céder à nouveau ? La crise est-elle vraiment grave ? La tension monte, le personnel médical est en effervescence autour du corps de Colette. Elle est en vie, mais quelles séquelles gardera-t-elle de cette malheureuse aventure ? Guillaume a tout de suite eu le geste qui sauve. Le cerveau de Colette n'a donc pas cessé d'être irrigué. C'est grâce à cet engagement total et immédiat dans le sauvetage que notre miraculé a aujourd'hui retrouvé toutes ses facultés mentales et physiques. Il était une fois un jeune homme et une vieille dame qui ont partagé la même histoire de cœur. Des images tout à fait étonnantes. On rappelle que ce ne sont pas des images de reconstitution, mais des images vraies, tournées par une équipe de télévision anglaise, par hasard ce jour-là. Alors Colette, pourquoi cette démarche dans « Il n'y a que la vérité qui compte » à la télévision ce soir ? Je suis là pour venir remercier Guillaume d'avoir fait les gestes qui sauvent tout de suite. Et j'aimerais que tout le monde soit capable d'en faire autant. J'ai eu la chance que Guillaume soit pompier. Mais tout le monde peut sauver une vie si on intervient tout de suite et si on est formé pour. Alors Colette, Guillaume, ce soir est là pour entendre votre merci. Comment va-t-il réagir à cet hommage? On va le savoir dans quelques secondes. Vous allez rester bien sûr très silencieuse ici pour lui faire la surprise. Et il va arriver dès que ce rideau aura été refermé, bien entendu. On va même, Pascal, le confronter à ses proches, à qui, vous savez que nous sommes assez facétieux, nous sommes allés voir un peu ses proches, et nous allons le confronter à ce que disent ses proches le concernant. Vous allez voir. Alors, avant cela, évidemment, on va demander à la régie de rétablir le contact avec notre amie Elsa. Elsa, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Je dois vous avouer que Guillaume est tellement mal à l'aise que j'ai vraiment hâte pour lui que ça se termine. Ça y est. Guillaume, le moment est arrivé. La vérité se trouve désormais juste au bout de ce couloir. Je vous remets entre les mains de Philippe qui va vous guider sur le plateau aux côtés de Pascal et Laurent. Allez, bonne chance. Merci. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ouais, vous êtes tendu, c'est normal. Tout le monde ici et des millions de téléspectateurs savent quelle est cette vérité qui va vous être dite ce soir et vous pas. Non. Et surtout, savent qui est derrière ce rideau et qui a quelque chose à vous dire. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On m'a dit que c'était une bonne nouvelle, donc j'espère que ce sera vrai. Je m'attends à quelque chose de bon, on m'a dit que ce serait bon, donc... Alors avant de découvrir de quoi il s'agit, nous avons demandé à votre entourage de nous parler un petit peu de vous, de nous donner des témoignages sur vous. Peut-être y a-t-il des indications dans ce qu'ils disent, regardez. Bonjour Guillaume, j'ai toujours trouvé que tu étais un gamin poli, respectueux, convivial, un modèle d'ailleurs pour mes enfants. J'aimais quand tu passais devant la boutique en faisant ce petit signe de bonjour convivial.
chose que je regrette aujourd'hui. Reviens quand tu veux nous voir. Change rien, t'es super, Guillaume. Gilbert est le porte-parole du village de votre enfance. Apparemment, vous n'avez aucun défaut. Oh, pff, si, comme tout le monde, hein, j'ai énormément de défauts, certainement. Lesquels? Je sais pas. La liste doit être longue, c'est plus facile à trouver. C'est... Enfin non, c'est vrai que... Bon, je sais pas, je pourrais pas vous dire. On va peut-être en savoir un petit peu plus, Guillaume, sur vos qualités et vos défauts, en s'approchant davantage de vous, en allant voir votre sœur. Salut Guillaume, eh ben, écoute, je voulais te dire que ça faisait 21 ans que je te supportais, qu'on se supportait mutuellement, que ton côté rigoureux, sévère et assez droit me pesait bien souvent. T'es un petit peu casse-pied sur les bords, mais bon, je te pardonne. Donc écoute, fais un petit effort juste pour moi et puis ben, reste cool quand même. Allez, je t'embrasse, ciao. Alors vous êtes sévère, vous êtes quelqu'un de comme ça... Je suis pas très marrant, souvent on me dit que je suis pas très marrant. Ouais. Ah oui. Un peu rabat-joie, pas trop marrant. Ouais. Alors, c'est une sévérité qui mène à la tristesse ou c'est une sévérité qui mène plutôt à la rigueur? Ouais, je pensais plutôt dans ce sens-là, quoi. Quelqu'un de rigoureux. Ouais, j'essaie. Qui fait toujours les choses qu'il faut faire au moment où il faut les faire. Ah non, non, pas, je suis pas parfait, hein, mais j'essaye, je m'efforce de faire ça, ouais. Troisième témoignage, Guillaume, celui de votre père. A-t-il quelque chose, lui, à vous reprocher? Bonsoir, Guillaume. Je sais que tu as l'air très calme et détendu, mais intérieurement, étant donné que je suis ton père, je sais que tu boues. Les arts martiaux t'ont appris à te détendre et à rester zen. J'espère que tu seras comme ça jusqu'à la fin de la soirée. Bonsoir, mon garçon. Ah, c'est votre père qui le dit, hein. Est-ce que vous croyez que ce que vous allez apprendre ce soir, ce que vous allez découvrir derrière ce rideau, a un rapport avec votre capacité à rester calme, à avoir du sang-froid? Ouais, j'espère que je vais faire preuve de sang-froid. Je vais m'efforcer, en tout cas. J'attends. Guillaume, je vais vous demander de vous lever, de vous placer derrière ce bouton qui permet d'actionner le rideau. Prenez votre temps, vous avez tout votre temps. Voulez-vous découvrir, Guillaume, qui se trouve de l'autre côté du rideau? Je suis là pour ça, alors allons-y. Alors appuyez sur le bouton et le rideau s'ouvrira. Bonjour Guillaume. Bonjour Madame Montan. Donc tu te souviens de moi? Oui, parfaitement bien. Un certain 31 juillet 2000, oui. À 2000 mètres, nos routes se sont croisées. Oui. Et grâce à toi, je suis en vie. Oui. Ça me fait plaisir de vous revoir là. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit vous. C'est la dernière personne à qui je pensais, certainement. Bon. Qu'est-ce qu'on éprouve, Guillaume, à se retrouver face à une personne qui est en vie, qui est magnifique, qui est souriante, qui respire le bonheur et qui est en vie grâce à vous? Moi, ça me... Je suis vraiment ému, surtout que je ne m'attendais pas. Et puis, c'est une personne qui a vraiment fait preuve d'énormément de gratitude envers moi suite à ça. Donc, la preuve ce soir, puisqu'elle a voulu venir ici sur le plateau pour vous dire merci devant le public et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci en tout cas, il paraît qu'on a chacun un ange gardien. Est-ce que Guillaume est votre ange gardien? Peut-être. Un envoyé de votre ange gardien? Il est arrivé au bon moment. Merci en tout cas Colette de cet hommage et Guillaume, merci d'avoir accepté de jouer ce jeu et de venir ici entendre ce message. Au revoir. Bonsoir madame. Et nous allons retrouver Elsa. Oui, moi, j'ai absolument rien suivi de ce qui s'est passé avec vous sur le plateau. Néanmoins, je pense que tout s'est bien passé, et je l'espère en tout cas. Il ne me reste plus qu'à attendre une prochaine émission pour découvrir d'autres invités de la vérité. À merci bientôt. Merci Elsa, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi ce deuxième numéro de Y'a que la vérité qui compte. On espère vous retrouver aussi nombreux en septembre, le lundi soir, bien sûr, en deuxième partie de soirée. On vous souhaite d'excellentes vacances. Merci de votre fidélité. On vous embrasse du fond du cœur. Bonnes vacances. Bye. Merci.